nobody stop. Something to move. Allez, c'est parti. On est chaud ? Ouais, chaud, mais il y a du bruit. Il y a du bruit. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. S'il vous plaît, on va commencer la soirée. Merci. Alors, merci à toutes et à tous d'être présents avec nous ce soir. On est ravis avec Tatiana et les équipes Agora de vous accueillir et de rassembler la famille, notamment des mobilités et de la flotte auto. Donc, merci aux managers métiers. Responsable de flotte auto, responsable mobilité. Il y a quelques DRH, quelques directeurs financiers avec nous. Donc merci à vous d'être présents et de partager ce moment avec nous. Je voulais remercier également nos partenaires Gold et officiels de nous faire confiance et d'accompagner le marché également, hein, trouver des solutions pour les managers métiers. Et je voulais également remercier les associations qui étaient présentes avec nous, également les partenaires médias et les organismes professionnels. Donc, vous pouvez vous applaudir et merci. On est très content de vous accueillir ce soir pour la 11e édition. Donc, le programme va être chargé. J'espère que vous avez passé un bon début de soirée. On va tout faire pour que ça continue. Et avant, pour commencer, je vais laisser la parole à Mickaël Lejar, qui est notre cofondateur. Bonsoir à toutes et à tous. Merci effectivement d'être là, d'être si nombreuses et si nombreux pour cette nouvelle édition du Gala des responsables flotte automobile et de la mobilité. Moi, j'aurais un petit mot juste à vous dire. On est bientôt 20 ans d'existence, ça sera l'année prochaine. Donc, on a été créé en 2005. Et je voudrais faire un très grand remerciement aux 34 collaborateurs d'Agora Manager Group qui, tout au long de l'année, œuvrent pour organiser les 350 soirées clubs qui sont dans toute la France. Les 150 ou 170 dîners VIP, peut-être certains d'entre vous ont pu y assister. Et puis aussi de produire et de réaliser plus de 2000 émissions par an au sein de Agora Média. Vous savez qu'on est aussi éditeur de presse avec 5 médias, dont Anews Mobilité. Yves Guitta dira un petit mot tout à l'heure. Et donc, tout ça, ça s'organise, que ce soit au niveau des newsletters, de la communication digitale, du marketing, de l'organisation, je l'ai dit, de cette production de rendez-vous club, d'émissions. Donc, merci, mesdames et messieurs, si vous pouviez applaudir ces 34 collaborateurs. Et vraiment, je les remercie profondément parce qu'ils agissent avec beaucoup de bienveillance tout au long de l'année et beaucoup de rigueur et de sérieux. Bien sûr, le deuxième remerciement que je voudrais évoquer, c'est à Laurent et Tatiana pour leur rôle magique dans la communauté de l'Agora des responsables flotte automobile, mais aussi au niveau du média, quand même, avec Yves. Et puis l'ensemble des membres des comités de pilotage qui constituent aussi cette communauté. Et un petit clin d'œil à Laurent Jolivet qui nous suit maintenant depuis, je crois, depuis le début, en fait. Hein, voilà, je crois. Voilà. Sans plus attendre, je redonne la parole à Laurent. Mesdames et messieurs, passez une excellente soirée. Merci à tous, merci à vous. Très bonne soirée. Merci Mickaël. Donc, comme on le sait, effectivement, c'est la 11e édition du gala. On a toujours plaisir à vous retrouver. Il y a des personnes qu'on ne connaît pas et j'espère qu'ils viendront nous rejoindre. Mais tout au long de l'année, nous avons notamment un club de 120 membres, responsables flotte auto, services généraux, acheteurs,
RSE, mobilité, que l'on voit effectivement, où on annualise une relation. L'idée et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir échanger sur les bonnes et les mauvaises pratiques pour pouvoir être plus performant au quotidien. Et pour ce faire, pour que ces soirées, effectivement, ces rendez-vous soient agréables et très intéressantes, on travaille avec un comité de pilotage. Ce sont des personnes comme vous qui sont du métier. Et je vais les inviter à me rejoindre sur scène pour qu'on présente effectivement le club de l'Agora Flototo et Mobilité. Merci de les applaudir. Et merci à Patrick, Nathalie, Mathieu, Yves, Vincent, je vais citer, Tatiana, Laurent Jolivet, Alexandre et Olivier Valado. Fais attention à la marche, Patrick. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Donc, comme je disais, l'idée, c'est vraiment, et l'objectif, c'est de faire en sorte que ce club soit pertinent pour vous toutes et vous tous. On travaille dans la bonne humeur, on peut le dire, pour avoir une ligne éditoriale qui soit la plus pertinente possible, des lieux sympas, également des intervenantes et intervenants agréables. Donc Laurent, je te laisse la parole pour donner un peu le bilan de l'année, mais également les perspectives à venir pour notre club. Merci Laurent, bonsoir à tous. Donc, au nom du comité de pilotage, on vous souhaite la bienvenue. C'est la 11e édition des galas responsables flotte auto et mobilité. Pour nous, c'est important, ça marque la fin d'année, mais c'est aussi le départ de la préparation de l'année suivante. En quelques mots, je vais essayer de vous présenter un peu... D'une part, je voudrais commencer par le métier de responsable de flotte auto, même si on est dans un écosystème, on est entre nous ce soir, on est beaucoup, mais on est entre nous. Pour vous dire qu'aujourd'hui, ce métier, j'en parlais l'année dernière ou il y a 2 ans, on a subi pas mal de tracas, je l'appelle ça une machine à laver, l'après-Covid, avec beaucoup d'incidences qu'on avait pu avoir. Le job en fait, de responsable de flotte auto, aujourd'hui, il se décline sur beaucoup, beaucoup de sujets, sur les coûts, sur l'environnement, sur la sécurité routière, sur l'intégration des nouvelles technologies. L'IA arrive et frappe à nos portes, donc comment on l'intègre dans nos modèles et comment on s'y prépare. Et c'est tout ça qu'on échange au sein du club. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui se disent « qu'est-ce que c'est que ce club ?» Alors ça s'appelle l'ARFA avec un M maintenant pour les mobilités, parce que c'est aussi une de nos missions maintenant d'intégrer toutes les mobilités qui peuvent se faire. La frontière était très poreuse et ça avait complètement du sens. Laurent en a parlé il y a 2 minutes, mais je préfère le redire. On est un club de 120 membres, mais moi ce qui me touche aussi, c'est un peu l'évolution de ce club d'un point de vue féminin. Alors j'en parlais à l'apéritif, c'est toujours très dangereux de parler du côté féminin, mais on est à peu près à une 50aine de femmes dans le club, donc le club se féminise et ça monte en puissance, donc je trouve ça très très bien. Un autre point, c'est vraiment la durabilité de nos membres. On voit que même si on change de fonction, on change d'entreprise, on revient dans ce club. Donc on voit qu'il y a vraiment une certaine simplicité dans les échanges, on apprend, on crée de la valeur. Et comme j'ai tendance à le dire, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un langage assez simple, si lors des soirées, on ne crée pas de valeur, ça ne sert à rien de venir. Parce qu'on a des journées assez compliquées et assez chargées pour le soir venir et apprendre d'autres choses. Et je terminerai par 3 points qui sont quand même assez importants dans ce qu'on vient de traverser dans les perspectives 2024. La première date serait fin décembre ou début décembre 2023, je n'ai plus la date exacte, où on a réuni 2 clubs. Il y avait l'Agora des Mobility Managers et il y avait l'ARFA. On s'est dit, on va mettre qu'un club pour les deux, parce que ça a du sens, ça crée de la valeur. Et pour nous, c'est redoutable de se dire qu'on prépare demain toutes les mobilités au sein du club. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est fait un peu plus tard, ou il y a quelques semaines, en février, on a créé un club à Lyon, et on a un digne représentant, Jean-Pierre, je suis désolé, hein, je balance ton prénom, qui nous a aidé à développer grandement le club de Lyon. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on décide, il n'y a pas qu'à Paris qu'on pense. C'est valable pour plein d'autres sujets. Hein. Je ne vous ferai pas le schéma de ce qui s'est passé ces dernières heures, mais il y a vraiment tout un sujet où on a besoin d'entraide, d'apprendre, de pouvoir s'entraider. Et à Lyon, il y avait ce besoin-là. Donc on a créé un club, ça marche, ça débute, et c'est aussi... tout l'essence du club, c'est de pouvoir adhérer régulièrement à Paris comme en province. Et le dernier, c'est plus une vision qu'on a, c'est de se développer et d'apprendre des bonnes pratiques à l'international. Et pour ça, on a créé une passerelle ou un partenariat avec Fleet Europe pour nous aider aussi
à comprendre d'autres mécanismes qui nous semblaient chers, d'apprendre encore plus et, je l'espère, bah, compléter un peu nos connaissances dans certains items. Voilà, donc j'invite ceux qui ont des questions sur le club à profiter des membres qui sont ici présents ou à leur table pour pouvoir échanger sur les questions. Et en tout cas, au nom, je pense que je peux le dire au nom de tout le monde, on est ravis de vous avoir et on vous souhaite surtout une très belle soirée et une belle plénière. Voilà, merci encore. Merci Laurent. Bravo Président. Je vous invite à rejoindre votre table. Merci. Merci beaucoup. Tatiana, tu peux rester avec moi. Moi, je suis chargée d'intervenant. Ah, d'accord. Donc, au-delà d'avoir effectivement un gala, un temps fort et également, comme vous l'avez compris, un club pour annualiser la relation entre vous, on a également créé, il y a maintenant 6 ans, un groupe média. C'est à la demande de nos membres, pour vous alimenter en valeur de contenu, à travers notamment des reportages in situ, à travers des grandes interviews de grands patrons, de sachants, de sachantes également. Et là, j'ai demandé à Yves Guitta, avec qui nous avons co-créé notamment Anews Mobility, de venir et me rejoindre sur scène. Merci de l'applaudir. Donc Yves, le média existe depuis 6 ans. Merci, est-ce que tu peux nous dire un peu plus effectivement sur la partie éditoriale ? Alors je ne savais pas qu'on avait déjà fait tout ça. Vous avez pu voir que le pape était mobile, même sans sa papa mobile. Rien à côté de moi. Surtout, en fait, vous avez tout là, vous avez tout vu. Donc je voudrais surtout remercier Roman, qui est un complice avec qui j'ai eu la chance de travailler sur quelques reportages et qui a pu m'initier un peu au montage. Mais voilà, sinon, on est ce que l'on veut faire avec Anews Mobility, c'est un média vraiment multimodal, multi-énergie, multi-technologie. On veut avoir une vision systémique et une vision où on prend de la hauteur, on veut regarder tout ce qui se passe dans les mobilités, sur tous les vecteurs, le secteur routier, le secteur naval, fluvial, y compris spatial. Multimodal. Voilà, on est complètement multimodal. Et puis on aime bien aussi l'innovation, comme on l'a fait pour le média. Donc, alors je ne sais pas si j'ai le droit de l'annoncer, mais je le fais quand même, tant pis. Hein. Vas-y. On a décidé de se lancer dans un atlas des mobilités en région. Donc on va faire le tour de France des régions et des grandes métropoles. On va aller voir ce qu'ils ont décidé de mettre en place au niveau des mobilités. On va les interviewer, on va faire des reportages. Et il y aura un atlas qui va apparaître en format papier. On retourne au papier. Sur un grand format, un peu plus que l'A4, pour ceux qui connaissent, avec un dos cartonné collé, etc. Et puis, ce sera aussi naturellement en numérique, en digital, ce qui permettra de mettre à jour au fil de l'eau cet atlas des mobilités. Et puis, donc l'année prochaine, l'année suivante, ben, on le mettra à jour, etc. etc. Alors, on a un autre. Aussi, Yves, c'est que l'accès est gratuit. Alors, l'accès est gratuit. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes obligé de vous abonner à nos newsletters, puisque c'est gratuit.
Donc aujourd'hui, on a à peu près 15 000 abonnés. On a deux newsletters, une newsletter qui est généraliste et une autre qui sort de manière moins régulière, mais ça c'est de ma faute, sur les nouvelles énergies et les nouvelles technologies. Mais on a quelques projets encore dans les tuyaux. On a un observatoire des mobilités qu'on va mettre en place. Voilà. Mais c'est l'atlas, voilà. Ce qui arrive, c'est vraiment l'atlas des mobilités, ce qui n'existe pas. Donc comme ça n'existe pas, ben on va le faire. Donc c'est un gros chantier, donc merci à toi Yves. Et on travaillera justement, tout à l'heure on le verra, sur un prix Ginov remis par la rédaction d'Anews Mobility, mais ce sera après le dîner. Donc merci Yves, je t'invite à rejoindre ta table, oui, s'il te plaît. On mange toujours pas ? Non, mais vous verrez, ça va être, c'est très bon normalement. Regarde. Et pour conclure, avant d'accueillir nos invités d'honneur, donc M. Franck Marotte et Jean-Louis Etienne, une dernière information. Nous avons mis en place un partenariat institutionnel également qui nous semble être important avec la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts et consignations qui accompagnent les régions en termes de mobilité. Donc je tenais à remercier Pierre Auboin et également Gauthier Châtelut et leurs équipes. Donc voilà, donc merci à eux pour effectivement avoir mis ce partenariat en place. Au croisement d'enjeux écologiques, d'attractivité et de cohésion sociale et territoriale, la mobilité est une priorité pour la Banque des Territoires. Parce qu'elle est la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, nous accompagnons les autorités organisatrices de la mobilité dans la transition de leur territoire vers une mobilité durable. Nous aidons les territoires urbains et périurbains à diminuer la congestion et la pollution atmosphérique causée par le recours trop systématique à l'automobile. Nous sommes aussi aux côtés des territoires ruraux, moins pourvus en moyens de transport, pour réduire la dépendance à l'automobile et accélérer le développement de la mobilité verte. Dans ces territoires peu denses, l'enjeu est de limiter le poids budgétaire de la mobilité et de renforcer la cohésion sociale en facilitant l'accès à l'emploi et aux services. Face à vos enjeux, nous vous apportons des réponses. Nous investissons dans la création et la modernisation des infrastructures de transport en commun traditionnelles et des infrastructures de transport décarbonées. Nous vous proposons des solutions pour financer les infrastructures de recharge de véhicules électriques en habitat collectif, mais aussi des stations GNV et hydrogène. Enfin, nous finançons le développement des flottes de véhicules à motorisation décarbonée. Notre objectif ? Développer des territoires plus verts et plus solidaires. Voilà, donc maintenant le moment est venu de la table ronde. Donc je vais demander à Martial Liu de lui faire un accueil chaleureux, s'il vous plaît, pour la table ronde. Merci Martial. Bonsoir à tous, merci d'être là, je suis ravi de vous retrouver, mettez-vous là tiens Franck, comme ça, ravi de vous retrouver pour ce gala des mobilités et je rebondis sur tout ce qui vient d'être dit juste avant moi, hein. Laurent, Yves, effectivement on est à un moment charnière où aujourd'hui la question et la problématique est véritablement celle des mobilités, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, c'était très clair et très précis, on est aussi par rapport à l'automobile sur un moment charnière et on y reviendra évidemment avec nos invités, c'est-à-dire c'est le moment où on se pose des questions sur qu'est-ce que devient l'automobile électrique, on voit que les ventes depuis le début de l'année ont tendance à baisser sur l'électrique 100%, on voit que des projets, vous avez certainement vu ça, comme ACC qui réunissent Stellantis, Mercedes et Total Energy, ont repoussé certains projets d'implantation d'usines de batterie en Italie et en Allemagne. Alors on va se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire les mobilités aujourd'hui. Et évidemment, on a un laboratoire absolument incroyable qui est celui des JO, puisque nous avons Franck Marotte, bonsoir. Bonsoir. Président France de Toyota et évidemment partenaire
officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais c'est depuis 2018, hein, depuis la Corée, que vous êtes sur le... Absolument, ça sera la quatrième Olympiade. Voilà, sur les JO. Alors, la Corée, territoire de Hyundai et de Kia, c'était joli de récupérer ça. Et on va parler évidemment de ce que les Jeux Olympiques vont pouvoir apporter en termes de mobilité, mais pas seulement, des mutations qu'on est en train de vivre. Et à nos côtés également, explorateurs, scientifiques, on parlera de toutes ces mobilités et du regard que Jean-Louis Etienne porte évidemment sur les mutations qu'on est en train de vivre. Merci d'être avec nous, Jean-Louis Etienne. Et je voudrais commencer peut-être, pour poser les bases, par vous écouter l'un et l'autre sur votre vision. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui les mobilités pour l'industriel et pour l'explorateur ? On commence avec vous, Franck. Alors, je vais commencer par une évidence. Les mobilités, c'est la liberté. C'est ça depuis que nous avons créé des instruments de mobilité, que ce soit des voitures ou autre chose. Ça a été des vélos avant, des bateaux. C'est un synonyme de liberté. Et je crois que l'ensemble des citoyens sont extrêmement attachés à cela. Et on voit bien, dans des temps relativement récents, que dès qu'on restreint les mobilités, eh bien, on fait face à des crises sociales parce qu'il y a un énorme attachement, il y a même un besoin primaire dans un certain nombre de cas de mobilité. Donc on a un devoir en tant qu'industriel, bien sûr, de constamment nourrir des solutions qui permettent aux citoyens de bénéficier de cette liberté individuelle. Sachant que les transports collectifs remplissent une partie de cet office, mais pas l'intégralité. Ils présentent un certain nombre de contraintes que la liberté individuelle ne tolère pas toujours. Voilà. Donc c'est notre devoir, et puis on a un deuxième devoir, bien sûr, et je crois qu'on va en parler ce soir, c'est de contribuer à l'amélioration de notre planète. Parce que même si, contrairement à ce que beaucoup disent, nous n'avons pas été nous n'avons pas produit les plus grands méfaits contre le climat, malgré tout, nous avons été un contributeur négatif, incontestablement, depuis la création de l'automobile en particulier. Donc nous avons un devoir historique de contribuer à l'amélioration de notre environnement, et je crois que c'est ce que tous les industriels contribue à faire maintenant depuis quelques années, à marche forcée, et on va parler probablement des perspectives. Absolument. Alors évidemment, en tant qu'industriel, vous êtes aussi un globe-trotteur. La mobilité, ça vous connaît, puisque vous êtes passé dans pas mal de pays au travers le monde, hein, la Chine, l'Afrique du Sud et un certain nombre d'autres pays. Vous faites la transition évidemment avec Jean-Louis Etienne, puisqu'on parlait d'enjeux à l'échelle de la planète. Vous, Jean-Louis Etienne, c'est précisément ce que vous faites depuis des années. Cette mobilité, vous la vivez dans votre chair, j'ai envie de dire, et à travers tous les modes de mobilité presque. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Franck Marotte sur le concept de liberté. Et je reprendrai une phrase de Bertrand Moitessier. Moitessier, c'était un navigateur qui disait « On n'empêche pas une mouette de prendre le large ». Et en fait, c'est ça. Donc, la mobilité, c'est quelque chose qui nous anime pour le travail, pour les expéditions que j'ai faites. J'ai commencé à tirer mon traîneau. Ensuite, j'ai beaucoup navigué. J'ai découvert la mer comme un espace de liberté. Moi, je suis dans le Tarn, pays agricole. J'aimais pas du tout la plage. C'était une souffrance. Jusqu'au jour où j'ai découvert que l'océan, c'était une immensité où on pouvait aller d'un point à un autre, faire le tour du monde. Donc, j'ai monté de nombreuses expéditions, beaucoup dans les régions polaires. Et en fait, quand on fréquente ces régions, ce sont les régions qui sont le plus impactées par le réchauffement polaire. Et donc, mon rôle, je dirais, que j'ai pris volontiers, c'est, à travers ces expéditions, faire de la mesure, etc., mais surtout d'être le pédagogue d'une situation. Parce que c'est compliqué ce qui nous arrive, si vous voulez. Hein. Tout le monde bouge, effectivement, et on doit passer des énergies de stock, comme on disait tout à l'heure, à des énergies de flux dont on a limité nos émissions carbone. Donc le challenge, il est très intéressant. Et quand on va dans les régions polaires, on peut parler effectivement de ce qui est en train de se passer. On a la légitimité du terrain et on a le devoir d'être pédagogue. Et si je peux l'être ce soir, ça sera avec plaisir. Et vous avez croisé la route maritime de grands navigateurs. Vous avez aussi été avec ces gens qui nous ont fait rêver parce qu'ils voyageaient partout sur les mers.
Oui, j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly. Et oui. Alors, avant, c'était avec le père Jaouen. Le père Jaouen, je traversais l'Atlantique avec le père Jaouen. C'était un jésuite. On avait un bateau qui s'appelait le Bel Espoir. Et on a amené des enfants, soit des sorties de prison, soit des toxicomanes. C'était une clientèle difficile, mais je suis médecin. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, je participais à ça. Puis, la course autour du monde avec Tabarly, etc. Parce que j'étais médecin, effectivement. Donc, c'est comme ça, à travers mon métier de médecin, que j'ai pu embarquer dans des expéditions et que j'ai... Aujourd'hui, je suis entrepreneur d'expéditions lointaines. Une expédition, c'est une entreprise, quoi. Alors, on va parler des enjeux, évidemment. On a déjà mis quelques petites pierres sur le chemin, là, mais Franck Marotte, puisque le thème, c'est aussi les JO de 2024. Vous diriez que pour un groupe comme Toyota, c'est 3300 véhicules qui vont circuler pendant la durée des Jeux Olympiques sur la région parisienne et les sites olympiques. C'est un laboratoire, justement, pour les mobilités, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour tester des choses. Oui, bien sûr, c'est une plateforme de démonstration. C'est un espace semi-privatisé, donc ça permet aussi de faire circuler des objets qui ne sont pas forcément homologués sur la voie publique. Et donc de démontrer... Oui, parce qu'il n'y a pas que des voitures. Il n'y a pas que des voitures, il y a des solutions de mobilité aussi pour les personnes à mobilité réduite. Donc ça permet de tracer un chemin de ce que peuvent être les évolutions dans les années qui viennent. Et ça permet aussi de s'associer à un symbole extrêmement fort qui est le dépassement de soi. Et je pense qu'on partage tous cette idée que les Jeux Olympiques et peut-être encore plus les Jeux Paralympiques sont un symbole extraordinaire de dépassement de soi. Donc pour une entreprise comme nous, eh bien, c'est l'association entre un état d'esprit. On doit forcément dans les temps actuels, quand on est industriel automobile, se dépasser, changer de paradigme, trouver des solutions auxquels nous n'avions pas forcément pensé il y a encore quelques années, et puis montrer que ça fonctionne, évangéliser, parce que je pense que vous êtes tous des professionnels de la mobilité, et vous savez à quel point aujourd'hui eh bien, les consommateurs de mobilité sont très perdus, ont perdu beaucoup de repères, ne savent plus trop exactement quelles solutions adopter par rapport à leurs usages, et cette plateforme olympique, c'est aussi un démonstrateur pour... eh bien, leur montrer quelles peuvent être les solutions, en parler et démontrer que ça fonctionne. Alors, les chiffres sont impressionnants. Je disais 33 000 véhicules, mais vous allez avoir 7 000 chauffeurs, 24 heures sur 24, qui vont travailler, des voitures qui vont faire entre 150 et 200 km par jour, mais aussi des fauteuils roulants. Enfin, quand vous disiez qu'il y a d'autres solutions de mobilité, c'est vrai que, évidemment, l'inclusion au travers des Jeux paralympiques, mais aussi la démonstration qu'aujourd'hui, la mobilité d'un point A à un point B peut se faire par différents supports. Bien sûr, et surtout de s'intéresser à des solutions, bien sûr, toutes électrifiées, puisque 100% de notre flotte le sera, majoritairement même zéro émission, et puis surtout s'intéresser à des solutions qui permettent de garder cette liberté de mouvement individuel, quelles que soient ses conditions et quel que soit son âge. On est en Europe en particulier, avec des sociétés qui sont vieillissantes et avec de plus en plus des phénomènes de désociabilisation du fait de la perte de mobilité, justement. Et en tant que fournisseur de mobilité, puisque c'est comme ça qu'on essaye de définir notre futur, eh bien, nous avons le devoir, justement, d'apporter des solutions dans ces sociétés vieillissantes. Alors, ce n'est pas un hasard, on est une société japonaise. La société japonaise est la plus vieillissante au monde. Donc forcément, on a un ADN aussi construit autour de cela. De la même manière que Tokyo était une des villes les plus polluées au monde lorsqu'on a inventé l'hybride il y a 25 ans et que Tokyo a interdit, par exemple, la circulation diesel dans la ville. Donc cette nouvelle étape, on a l'ambition de la construire et d'apporter, encore une fois, vraiment, que ce soit à domicile, que ce soit pour des déplacements même courts, mais des solutions qui continuent à sociabiliser jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'on voit bien que c'est un enjeu majeur pour nos sociétés occidentales. Jean-Louis Etienne, les JO, c'est évidemment un événement mondial. Quand on s'est parlé, vous étiez au Canada pour préparer cette soirée. Vous avez une phrase qui, moi, m'a frappé et que j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que c'est peut-être un des messages qui peut passer ce soir et au travers d'une manifestation comme les JO. Vous m'avez dit, il faut dire à ceux qu'on a en face de nous que les nouvelles 30 Glorieuses sont devant nous et sont pour vous. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je veux dire que on a conscience de la situation, on a l'intelligence des solutions,
en matière de décarbonation, on sait ce qu'il faut faire. Il faut avoir l'audace, si vous voulez, de les mettre en œuvre. Et quand on voit ce qui nous attend, la Terre, elle a une fièvre chronique. On appelle ça en médecine une fébricule. Une fébricule qui s'aggrave et qu'il faut soigner avec un traitement d'urgence. La décarbonation, c'est un objectif formidable. Arriver à la neutralité carbone, c'est intéressant. C'est le jour où nos émissions ne dépasseront pas la capacité qu'a la planète, c'est-à-dire la végétation et les océans, à le recapturer. Mais ben pour ça, il faut arriver à produire de l'énergie décarbonée. Je le dis tout à l'heure, on en parlait. Passer des énergies de stock, pétrole, gaz et charbon, à des énergies de flux, l'électricité et l'hydrogène. Ça suppose effectivement du stockage. Améliorer le stockage, c'est une performance énorme qui nous attend. Les renouvelables sont là, ils ont une faible densité énergétique, ils sont intermittents, ils imposent le stockage, effectivement, mais le saut énergétique, c'est E égale MC2. Vous vous souvenez de ça, Einstein? E, c'est l'énergie, M, c'est la masse de la matière, et C, c'est la célérité. La célérité, c'est la vitesse de la lumière. Dans le Soleil, il y a une fusion de noyaux légers et une énergie proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. Il n'y a pas plus gros, il n'y a pas plus fort. C'est pour ça qu'il est chaud, on est à 150 millions de kilomètres, on le sent. Eh bien, nous devons faire ça. Il y a un saut. Aujourd'hui, on connaît la génération 2, c'est celle que nous avons de nos centrales. La génération 3, c'est celle qui vient d'arriver. Et puis la génération 4, on en a eu, etc. Donc il y a, mais si vous voulez, l'histoire du nucléaire, c'est insupportable. Il y a eu de l'intelligence colossale qui a été mise là-dedans, on en a fait une bombe. Et encore, il y en a qui bombent le torse, pour parler de la destruction. C'est horrible. Par contre, on a de l'intelligence. On a l'intelligence de savoir l'exploiter, si vous voulez, à des fins pacifiques. C'est une ressource énergétique colossale pour arriver à faire ces fameuses énergies de flux. Et donc, je vous disais tout à l'heure, j'avais fait une conférence à l'école centrale, je leur ai dit, les 30 glorieuses, elles sont pour vous. C'est tellement énorme ce qui nous attend en termes d'intelligence et d'investissement. Il y a un champ absolument géant et il va falloir aller vite. Parce que le climat, c'est une vraie maladie de la planète. On le sent petit à petit monter, si vous voulez. Et comment vous avez été un des pionniers, un des premiers à utiliser justement les piles à combustible? Quand vous êtes allé au pôle, vous aviez l'hydrogène sous les pieds. Comment vous expliquez que le gap technologique ne soit pas encore franchi vraiment? Mais c'est vrai, moi j'adore la technologie. Vous voyez, quand vous faites une émission, j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps avec une emballeuse. Comment ça s'appelle? Pas une emballeuse, une influenceuse. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas la même chose. Mais essayez de nous emballer. Je lui ai dit, mais vous dites que des lieux communs, la complexité, c'est la solution. Et donc, vous nous alertez, ça fait des décennies qu'on alerte, etc. Je lui dis, la solution, elle est comportementale. On sait ce qu'il faut faire, chacun dans sa vie. Et on doit être efficace, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence, personnelle, professionnelle, politique, s'il y en a. Donc, la solution, elle est comportementale et elle est technologique, ce que je viens d'évoquer. Et quand j'ai dit technologique, elle a fait « Ah !» Vous voyez, il y a une espèce de rejet. Parce qu'il y a une méconnaissance, il y a une génération. Moi, j'avais des vieilles voitures d'occasion que je réparais moi-même. J'adore la progression, j'adore l'intelligence humaine. Tout ce qu'on a dans ces petits téléphones, vous voyez, tout ce qu'on est capable de faire. Il manque de culture technique, beaucoup, dans la jeunesse. Parce que la technique, l'intelligence humaine, à l'approche technologique, elle est merveilleuse. Donc, c'est un engagement qui est créatif. Et il n'y a pas... Il manque un peu d'attachement à la technologie. Et justement, cette technologie, Franck Marotte, vous avez été parmi le groupe Toyota a été parmi les pionniers en termes de moteurs hybrides, bien entendu. On se souvient des premières Prius, évidemment, et des Lexus. Aujourd'hui, il y a le moteur électrique, il y a l'hydrogène qui pointe le bout de son nez. Mais on en est où? Est-ce qu'on a franchi aujourd'hui le gap technologique qui nous permet d'imaginer effectivement un parc automobile décarboné, vraiment? Alors, les solutions techniques, incontestablement, elles sont maintenant disponibles, que ce soit l'électrique à batterie,
Il y a un certain nombre d'acteurs qui les produisent et qui les vendent. Les voitures à hydrogène, pour certains, vous avez peut-être pris des taxis dans Paris, et donc il y a un parc maintenant roulant qui est très significatif. Évidemment, les JO et les Jeux paralympiques seront l'occasion de démontrer d'autres solutions zéro émission. Donc ça, c'est disponible. Par contre, dans l'esprit des consommateurs, ce qui n'est pas disponible, c'est le zéro émission ou les solutions décarbonées accessibles en prix, oui, d'une part, et ne présentant aucune contrainte d'usage, d'autre part. Et les deux sont évidemment constitutifs, dans l'esprit des consommateurs, d'une offre de mobilité pertinente. Alors, pour beaucoup de consommateurs, pas seulement dans l'automobile, mais la neutralité carbone, le zéro émission, tout ça est une affaire de riches, de bobos, enfin on les appelle comme on veut, mais en tout cas un tout petit noyau de consommateurs. Et forcément, bah, ça ne concerne pas tout le monde. Or, l'enjeu, il est justement que ça concerne très rapidement, plus rapidement que ce qu'on fait aujourd'hui, le plus possible de consommateurs. Et pour ce qui est de l'automobile, le plus possible d'utilisateurs. Et malheureusement, pour accélérer le rythme, eh ben, le renouvellement du parc par des véhicules neufs, mieux disant, zéro émission, etc., ça sera trop lent par rapport à l'enjeu tel qu'il a été défini lors de la COP21 et lors des COP suivantes. On le voit bien. Donc il faudra y associer des solutions technologiques qui vont aussi traiter le parc roulant. Parce que le parc existant tourne aux hydrocarbures. Et oui, parce que bien entendu, enfin, je vais donner des lieux communs, mais bien sûr, ce sont les véhicules les plus anciens qui émettent le plus. Déjà, c'est le cas en Europe, mais c'est encore plus le cas dans le reste du monde. Et bien entendu, quand il s'agit de réchauffement climatique, c'est pas comme Tchernobyl, l'Europe est pas étanche. Donc il faudra qu'on s'occupe... Il n'était pas non plus au moment de Tchernobyl. On a dit. C'est ce que les scientifiques disaient. Donc il faudra qu'on soit en capacité de tracer cela. Donc il faut absolument que, là encore, le législateur assouplisse ses positions, ne donne pas des solutions aux industriels, parce que le législateur n'est en général pas un industriel. Et il faut au contraire inciter très fortement les industriels à s'occuper non seulement de ceux qui ont les moyens d'aller plus vite, mais aussi de s'occuper de ceux qui n'ont pas les moyens d'aller aussi vite que les plus riches, mais qui ont absolument besoin d'être contributeurs à l'effort de guerre. Voilà. Donc c'est un enjeu pour les énergéticiens, et il y en a qui travaillent déjà. Vous avez une grande entreprise comme qui est considérée comme le diable incarné, hein, mais Aramco, par exemple, une des entreprises les plus riches au monde, peut-être même la plus riche au monde, qui produit aujourd'hui du pétrole, mais qui travaille sur des solutions de carburant neutre qui permettront de décarboner le parc roulant, par exemple. Et les industriels travaillent avec ces gens-là, bien sûr, et nous en faisons partie, pour créer des solutions qui permettent à très faible dépense, donc accessible pour la plupart des consommateurs, de réduire considérablement sa consommation, ses émissions, et voire de passer à de la neutralité carbone avec un très faible effort. Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas forcément ceux dont on parle le plus, qui ne font pas forcément des effets de com' immédiats. Alors, quand on est dans une période d'élection, les effets de com', c'est forcément très important, mais qui, dans la réalité, seront extrêmement contributeurs de la mission sociétale que nous avons, en particulier nous industriels, mais aussi énergéticiens, comme je le disais, qui est d'avoir une contribution positive et de refaire ce que nous avons défait il y a une centaine d'années. Voilà. Alors on est devant un public averti, continuer à essayer de voir les solutions technologiques, effectivement, les nouvelles applications qui peuvent aider à avancer dans cette recherche d'efficience et d'efficacité. Je rappelle que l'âge du parc roulant en France, mais vous le savez sûrement, c'est 11 ans, hein, donc c'est quand même, ça vieillit chaque année un peu plus. Mais je voudrais vous faire réagir, Jean-Louis Etienne, sur ce que disait Franck Marotte à l'instant. Vous avez le sentiment, vous, quand on regarde la planète dans son ensemble, que l'écologie est finalement un problème de riches ou accessible, un luxe de riches? Il y a une caricature de l'écologie, beaucoup. Vous voyez, une caricature où on montre tout le temps ce qui ne va pas et puis on ne montre pas assez la complexité, effectivement. Vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas prêt. J'étais en Afrique il n'y a pas très longtemps.
ils sont encore à la mobilette, à la voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne va pas arrêter du jour au lendemain. Donc, il y a cette notion, on ne peut engager une population que si on lui montre qu'il y a un chemin. Vous voyez, souvent, dans une conférence, on me dit « Vous trouvez qu'ils en font assez ?» Sous-entendu, les autres, bien sûr. Et j'ai vous, qu'est-ce que vous faites ?» Alors, je leur dis « Écoutez, vous avez une maison ?» Oui. « Mettez des panneaux solaires sur le toit. Vous allez faire le plein avec le soleil. Il y a du fun à faire du plein avec le soleil. Puis vous allez voir, ça va vous plaire. Vous regardez la météo. Mardi, il y a du soleil. Vous faites la lessive avec le soleil. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est au manque de pédagogie. Toujours, elle est punitive, l'écologie. Elle est punitive. Et donc, c'est ce qu'il manque le plus d'une écologique avec un chemin. Et le chemin, il est compliqué. Vous prononcez effectivement le mot d'un pays riche, si vous voulez. C'est vrai que... Enfin, on l'est de moins en moins. Hein. Mais c'est vrai, si vous voulez, que dans notre pays, on n'a pas une notion de l'ensemble de la planète. Il faut voyager, il faut se déplacer, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs pour être beaucoup tolérant. Et alors donc, nous qui sommes riches, entre guillemets, c'est nous qui devons investir le plus possible sur les solutions. Et je dirais que les compagnies pétrolières qu'on a évoquées, elles ont un devoir de passer, si vous voulez, des investissements colossaux sur ce qui a fait leur richesse et qui est en train de détruire la planète par le climat. C'est à eux qui doivent investir une grande part, si vous voulez, dans la solution. Oui. Et on a totalement. Ils ont les moyens pour le faire. Voilà. Ils ont non seulement les moyens, ils ont les ingénieurs, ils connaissent parfaitement, ils ont les réseaux énergétiques, ils ont tout. Donc il faut être exigeant, effectivement, sur ces compagnies-là. On a Total Energy juste derrière nous, sur le mur, mais on sent bien que le discours est difficile aussi de pédagogie vis-à-vis des populations, parce que si on prend ce qu'explique Patrick Pouyanet, c'est qu'il y a encore des investissements dans les hydrocarbures, parce que c'est une réalité, c'est ce que disait Franck Marotte, et à côté aussi dans les énergies vertes. C'est-à-dire qu'on est en ce moment à une période un petit peu de transition, où les deux doivent exister encore. Oui. Moi, je vais vous donner un exemple. Je travaille sur un projet d'un navire vertical qui va explorer le principal puits de carbone océanique de la planète, qui est l'océan Austral, qui est autour de l'Antarctique. C'est un navire vertical, un peu comme ce micro. Il fait 100 mètres de haut et il va dériver avec le courant. Donc l'électricité, c'est le vent, on a des éoliennes, et le moteur, c'est le courant circumpolaire. On va étudier cet océan. Total Energy, la fondation Total Energy, est un de mes partenaires. Donc il y a quelques scientifiques qui se sont retirés du projet parce qu'il y a la fondation Total qui est un des gros fournisseurs de la fondation du CNRS hein. Et donc je lui dis toi je t'offre un véhicule zéro émission pour aller étudier le principal puits de carbone océanique de la planète, tu le rejettes mais toi ça t'empêche, toi tu vas prendre l'avion pour aller à La Réunion pour monter sur le Marion Dufresne qui est un navire qui dessert ces zones là et qui consomme 25 à 28 tonnes de fioul par jour. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a des espèces d'automatismes de rejet. Et il est dogmatique. Un peu dogmatique. On est plus complètement dogmatique, quoi. Hein. C'est des scientifiques, hein. Ouais. Vous voyez, donc j'ai dit, j'aimerais celui-là le choper quand il va faire le plein dans une station totale avec sa bagnole. Franck Marotte, vous nous le disiez tout à l'heure, on n'enterre pas complètement les carburants fossiles, c'est-à-dire qu'on cherche des solutions, en revanche, zéro émission. Si on regarde l'avenir technologique de la voiture, est-ce qu'on peut imaginer que l'automobile, dans un écosystème plus global de domotique, soit par exemple une pile qui stocke ou qui redistribue l'électricité dans la maison, par exemple, en fonction des heures où on en a besoin. Est-ce qu'il y a le moyen de créer comme ça un écosystème au-delà de la seule mobilité utile d'une voiture ? Oui, alors, la plupart des constructeurs, effectivement, recherchent à connecter la voiture avec l'écosystème globalement de consommation d'énergie. Voilà. Mais tout ça va prendre du temps. Je dirais que déjà, la bascule vers de la mobilité zéro émission est une première étape. Et puis ensuite, qu'on utilise ce stockage, quand on parle de batterie électrique, par exemple, ce stockage d'énergie pour éventuellement en faire autre chose quand on ne l'utilise pas pour de la mobilité, bon, ça sera effectivement très utile. Mais déjà, assurons-nous que pour le consommateur,
qui considère qu'une voiture, c'est un objet de mobilité pour aller d'un point A à un point B sans contrainte, quand il le veut, comme il le veut, que ce moyen de mobilité soit décarboné. Voilà. Ça, c'est vraiment une étape fondamentale et qu'il puisse se le payer. Voilà. Donc, que la recherche fasse son œuvre et qu'on arrive déjà à ce premier point d'étape. Moi, je suis très confiant. Les investissements en recherche et développement des constructeurs automobiles dans le monde, c'est à peu près une enveloppe de 100 milliards d'euros par an. On en prend notre part, on pèse à peu près 9 milliards de tout ça. Basé sur les discussions qu'on peut avoir entre nous, entre industriels, on a aujourd'hui une écrasante majorité de ces fonds qui sont investis dans le zéro émission. On a mis de côté un certain nombre d'autres développements de la mobilité, comme la voiture autonome, par exemple, qui était, il y a 4-5 ans, l'alpha et l'oméga de la modernité. C'est aujourd'hui repoussé pour privilégier le zéro émission, ce qui est tout à fait normal, légitime. Donc, quand on investit des sommes pareilles, ça veut dire que la recherche va très vite. Vous avez dit, Jean-Louis, qu'on avait une intelligence collective extrêmement puissante. C'est exact. Dans l'industrie automobile, il y a une concentration d'intelligence extrêmement forte. Vous avez un nombre de constructeurs et puis il y a une concurrence féroce au sein de tous les continents, en tout cas développés. Donc ça veut dire que ça va aller très vite. Ce qu'on n'imaginait pas il y a 3 ans est en train d'arriver aujourd'hui et ce qui arrivera dans 3 ans, on ne l'imagine pas aujourd'hui. Tant en termes de rapidité de la progression, de baisse des coûts, de découverte de nouvelles solutions technologiques. Et c'est pour cela que chez Toyota, nous sommes extrêmement attentifs et nous essayons de persuader le législateur pour qu'il ouvre le jeu technologique et qu'on ne soit pas... Alors évidemment, derrière, il faut des infrastructures. Donc, comme on a des deniers publics qui sont contraints, les autorités publiques sont obligées à un moment donné de faire des paris, de mettre leurs deniers sur une solution, et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à présent massivement sur l'électrique à batterie. Donc il y a des investissements privés, un petit peu avec des aides publiques, maintenant sur les infrastructures hydrogène. C'est le cas en région parisienne par exemple, et on est dans cette aventure-là aussi avec Total Energy. Donc je souscris au fait que parfois les diables incarnés sont aussi les promoteurs des solutions de demain. Donc tout ça avance et avancera beaucoup plus vite que ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Ce qu'a fait Tesla, ce qu'a fait Elon Musk il y a 4-5 ans, les spécialistes rigolaient et les consommateurs ne savaient même pas que ça pourrait exister. Bon, donc ça a été fait. Et l'automobile est un seul exemple de l'intelligence humaine et de ce qu'elle permet de faire. Donc... tout ça pour dire qu'il faut être très confiant. Toute l'industrie est mobilisée. La pression est extrêmement forte. On l'entend tous les jours à la télévision. Donc le train maintenant est parti. Il ne s'arrêtera pas. Mais il faut, encore une fois, le plus vite possible que tout ça soit accessible au plus grand nombre. On a parlé d'écosystème juste avant dans la question que je vous posais, Franck Marotte. Et lorsque je vous entends dire... Il y a des solutions technologiques qu'on n'imaginait pas il y a 3 ans. Il y en a d'autres qu'on ignore encore et qui seront là dans 3 ans. J'ai un peu, et le mot a été dit tout à l'heure, un peu l'impression qu'on parle aussi comme ça de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Qu'est-ce que cette émergence de l'intelligence artificielle, par exemple, peut avoir comme incidence, comme évolution pour une industrie telle que la vôtre ? L'intelligence artificielle, elle fait gagner énormément de temps. Elle est déjà très intégrée dans nos processus de recherche parce que elle permet de gagner beaucoup de temps. Donc elle ne remplace pas l'intelligence humaine, en tout cas pas aujourd'hui. et on peut peut-être espérer pas demain non plus, pour créer les bonnes solutions, pour les imaginer. Mais par contre, lorsque les chercheurs ont des idées, l'intelligence artificielle permet de tester ces idées beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc, si je prends le cas de la recherche et développement pour faire une nouvelle voiture, historiquement, il faut entre 4 et 5 ans pour faire une nouvelle voiture. Avec l'intelligence artificielle, on arrive à diviser ce temps par 2. Donc, quand on divise le temps de développement d'un nouveau véhicule par 2, vous imaginez la rapidité à laquelle on va pouvoir passer d'une génération à l'autre. Et à chaque saut générationnel de véhicule, forcément, on a des gains en termes d'émissions de CO2 en particulier, et d'émissions de carbone, extrêmement puissants.
Voilà, donc rien. Et puis on a aussi une perspective de baisse des coûts qui est extrêmement rapide également. Voilà, donc l'apport de l'intelligence artificielle, c'est vraiment celui-là. Ça ne remplace pas l'homme, mais ça lui permet de travailler, d'inventer beaucoup plus rapidement. Jean-Louis Etienne, je le disais tout à l'heure, vous avez été un pionnier au niveau d'une multitude de technologies et de mobilité. On parle de l'intelligence artificielle. Vous avez le sentiment, pour avoir vu le marché évoluer, les technologies évoluer depuis des décennies maintenant, qu'on est à un point de bascule ? On est en train de vivre quelque chose de différent de l'évolution ? Je pourrais vous parler d'une expérience personnelle que je vis actuellement. Vous avez vu, j'ai une plaie sur le crâne, j'ai été voir Elon Musk qui m'a mis une pastille. Et donc, normalement, ça devrait accélérer mon intelligence. D'accord. Je vous en parlerai la prochaine fois. Vous êtes un homme bionique. L'homme qui vaut 3 milliards. Par rapport à ces thématiques d'évolution technologique, mais... Je travaille un peu. Enfin, on ne travaille pas avec l'intelligence artificielle, c'est elle qui travaille pour nous. Ouais. Vous posez une question sur l'ordinateur, aujourd'hui, avant, il fallait chercher longtemps. Aujourd'hui, vous avez trois phrases, une référence à un truc. C'est un gain de temps et c'est prodigieux. Ouais. Sur les mobilités, sur l'automobile, est-ce que vous qui avez vu le monde entier, y compris les dégâts que peut causer le monde moderne, on va dire, sur les pays en voie de... Les pays, on disait en voie de développement à mon époque quand j'étais à l'école, mais vous voyez ce que je veux dire, les océans de plastique, les oui. plages recouvertes de déchets, etc. Est-ce qu'on a pris conscience de ça ou est-ce qu'il y a encore un danger dans notre développement technologique, celui que décrit Franck Maroc, pour les pays moins... Non, la conscience, elle est là, elle est globale. Tout le monde a compris, effectivement, que le mutant surdoué que nous sommes a un impact colossal sur la planète aujourd'hui. On a, si vous voulez, on a pris possession de l'espace global à l'échelle de la planète. Et on a pris possession des espèces. Vous voyez, les espèces, quelles qu'elles soient, je parle des autres espèces animales que nous, elles ont à la naissance des outils, du dard, des griffes. Elles l'ont à la naissance. Elles ont un instinct. Elles savent se servir de leurs outils. La nature n'est pas un paradis. C'est un combat pro-prédateur permanent. Mais d'une manière générale, ils se connaissent. À l'échelle de Darwin, ces espèces-là, elles ne peuvent pas évoluer par rapport à notre prégnance d'eau sur la Terre. Vous voyez, on n'a jamais vu une hirondelle avoir un GPS, vous voyez ce que je dis, pour retrouver le nid. Donc, elles ont ça de naissance et elles n'en changeront jamais à l'échelle de notre évolution. Donc, notre impact sur la biodiversité, il est colossal. Vous voyez, la nature, c'est une immense mutuelle où toutes les espèces ont la vie en commun, cotisent de leur pratique de vie à la fin de leur corps. Le recyclage dans la nature est le troisième pilier qui est remarquable. Donc c'est cet équilibre de la nature, production primaire, le vert, consommateur et les recycleurs. Donc nous, notre objectif, si vous voulez, ce qu'il faudrait viser, c'est l'économie circulaire de la nature. Elle est parfaite, l'économie circulaire de la nature. Production primaire, je le répète, c'est le vert. Tout part de ça. Tout part de la végétation, de ce fameux pigment de chlorophylle, si vous voulez, qui permet à la plante de se nourrir avec le soleil et le gaz carbonique. Il y a les consommateurs, dont nous faisons partie, et dans la nature, ils excellent les recycleurs, les hyènes et tout, mais des milliards de bactéries, etc., qui vont dénaturer le corps mort des végétaux et des animaux pour en faire de l'humus qui va nourrir la production primaire. Donc la nature, c'est l'exemple parfait de l'économie circulaire. Donc je dirais que dans notre vie personnelle, professionnelle, réfléchissons, protégeons le vert, au sens large, je parle de la nature. Là. Soyez des consommateurs avertis, on sait ce qu'il faut faire, si vous voulez, et tendons vers des recycleurs parfaits. Le jour où on aura fait des produits manufacturés qui seront entièrement démontés et dont tous les éléments pourront revenir dans la fabrication, on aura déjà fait un grand pas. Je sais que ça avance beaucoup dans l'industrie automobile et dans toutes les industries. Mais ayez la nature comme référence. Effectivement, c'est le meilleur exemple d'économie circulaire que l'on peut prendre. Vous me disiez, en préparant la table ronde, finalement, le réchauffement climatique, c'est une maladie chronique, mais qu'on est obligé maintenant de traiter comme une urgence. Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? On est aux soins palliatifs.
Et non, c'est comme si... Moi, je suis médecin. Oui. Donc, vous arrivez, on vous dit, bon, je suis désolé, vous arrivez trop tard. Non. Il y a des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Et effectivement, on n'a pas le droit d'être pessimiste, d'une manière générale, quoi. Parce que ce qui nous attend, c'est énorme. Mais en même temps, on a les solutions. C'est ça que je n'arrête pas de dire, quoi. C'est ce chemin vers lequel il y a une persévérance à mettre en œuvre. Résister à la tentation de l'abandon. Ça, c'est tout ce qui a guidé mes expéditions, si vous voulez. Remettre le rêve à la surface. Parce qu'effectivement, tout ce que l'on reçoit en information de tout ce qui ne va pas, on a tendance à s'écrouler un petit peu. Remettre ce rêve à la surface. Nous avons la capacité aujourd'hui à faire de la planète une planète vivable. Franck Marotte, vous l'avez évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Il y a la problématique des infrastructures. Et ça, c'est crucial, y compris pour tous ceux qui sont dans cette salle, évidemment. On peut inventer les meilleures voitures du monde. Il y a un moment donné, il faut pouvoir les recharger. Il y a un débat, on le sent, chez les constructeurs automobiles, de dire est-ce que à la Elon Musk et à la Tesla, on ne va pas nous imposer, nous constructeurs, de devoir mettre en place l'infrastructure, le réseau de batteries. Où on en est sur ce déploiement? Est-ce que, en tant que constructeur, un des plus importants du monde, Toyota se dit par moment, on est un petit peu laissé à nous-mêmes sans être accompagné par les pouvoirs publics? Qui doit s'occuper des infrastructures? Alors, les pouvoirs publics ne font pas rien. Si on prend le cas de la France, il y a eu un plan 100 000 bornes qui a pris du retard. Il a mis du temps à arriver, oui. Oui, mais maintenant, il est accompli. Et on est aujourd'hui sur le territoire national, finalement, un des pays les plus avancés en termes d'infrastructures de recharge électrique. À Paris, nous avons l'écosystème de distribution d'hydrogène pour des véhicules particuliers le plus développé en Europe. Et ça, ça a aussi été accompagné partiellement par les pouvoirs publics. Donc, incontestablement, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Après, il y a une logique économique. On est ici en face d'acteurs économiques. La logique économique, c'est qui bénéficie de la commercialisation de ce qu'on vend à la borne de recharge ou dans la station hydrogène. C'est l'énergéticien. C'est EDF qui va vendre de l'électricité, c'est Air Liquide qui va vendre de l'hydrogène. Donc, nous, on vendra un jour des voitures. Donc, on va être en charge de faire des voitures zéro émission, d'aller se trouver des matières premières pour les fabriquer, de les recycler en fin de vie. Ça sera notre boulot. Et je pense légitimement que les énergéticiens devront investir massivement dans leur source de revenus, c'est-à-dire la distribution d'énergie. Pour l'instant, c'est eux qui manquent un peu dans le... Et pour l'instant, on est encore dans une phase de transition. Tout ça est à l'état de prototype. Et ils ont encore... Évidemment, on est face à des intérêts économiques majeurs. On est dans une bascule. On parlait tout à l'heure des pétroliers. Bien évidemment, on va encore avoir besoin de pétrole pour pas mal d'années. Il y a une courbe de décroissance de la production de pétrole dont on a besoin, qui est à peu près écrite. On va passer de 100 à 20 en 30 ans, et il faudra qu'on continue à produire ces 20. Mais bien sûr, les investissements massifs des pétroliers dans l'autre chose arrivera aussi quand ils vont cesser d'investir dans l'exploration pour produire ce qu'ils produisent aujourd'hui d'énergie carbonée. Donc, et il faudra des incitations. Le législateur est extrêmement contraignant vis-à-vis des constructeurs automobiles. Il le sera sans doute un jour aussi vis-à-vis des énergéticiens pour qu'ils soient au rendez-vous des investissements massifs desquels ils auront les revenus de demain. Voilà. Sur les chiffres d'immatriculation des véhicules électriques depuis le début de l'année, on voit que ça décline précisément en Europe parce que l'Allemagne a décidé d'arrêter son bonus. Non, est-ce que ce n'est pas pour l'instant encore balbutiant et avec une économie qui est sous perfusion publique? Alors, moi je considère qu'il faut surtout... On est sur des phénomènes qui sont sur des temps longs, des enjeux qui vont prendre, on parle de 30-40 ans. Hein, la neutralité carbone généralisée dans les pays très développés comme le nôtre, on dit que c'est 2050. Donc c'est un peu loin. Donc la communication autour des faits de marché sur 3 mois, franchement, c'est presque infinitésimal. Il y a une chose qui est sûre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, si on débranche la prise des incitations, le marché du zéro émission est très faible et tout petit parce que c'est trop cher. Oui.
Voilà, tout simplement. Tout petit, c'est intéressant parce que vous faites la comptabilité. Aujourd'hui, le marché du zéro émission, c'est quoi? C'est 10% du marché c'est dans les pays développés. C'est 10% subventionné. C'est probablement 2 à 3% non subventionné. Ouais. Donc, c'est tout petit et c'est du sur marché du neuf. Voilà. Si on regarde le marché de l'occasion, c'est zéro. Voilà. Donc, ça, c'est un fait. Il y a une constante. Aujourd'hui, dans le panier d'achat d'un consommateur, la mobilité a une part. Le consommateur n'est absolument pas prêt à faire augmenter cette part. Là où l'automobile était très symbolique d'un positionnement social, etc., bon, c'est globalement derrière nous. Il y a d'autres sources de dépenses qui sont apparues et qui sont considérées par les consommateurs, à tort ou à raison, comme beaucoup plus importantes. C'est leur choix. Et toutes les études aujourd'hui nous prouvent que là où il dépense 100, il a envie de dépenser 100 demain. Oui. Il est tout à fait prêt à contribuer et à passer au zéro émission, mais en dépensant 100. Donc quand on n'arrivera pas à avoir une proposition qui soit équivalente à ce 100, eh bien, on restera avec des phénomènes de marché qui seront trop lents. Voilà. On arrive au terme de cet entretien qui est passionnant, évidemment, avec vous deux. Jean-Louis Etienne, peut-être pour conclure, comment est-ce que vous voyez évoluer les modes de transport, les mobilités dans les années qui viennent? Ça passe toujours par la voiture? Ça passe par d'autres types de modes de transport? Bah écoutez, moi je me déplace beaucoup. Oui. Ça circule, hein. Ouais. Ça circule beaucoup dans tous les pays, si vous voulez. Donc, on ne va pas arrêter de se déplacer. Et donc, vous parliez zéro émission du moyen de transport, on va dire. Mais zéro émission, ça veut dire qu'en amont, on a fourni de l'hydrogène ou de l'électricité, zéro émission. Là, l'investissement est absolument énorme, si vous voulez. C'est pour ça que je parlais du nucléaire pour dédiaboliser cette solution-là, parce que si on veut effectivement faire du zéro émission en amont, effectivement, ce sont des investissements colossaux qu'il faut faire. Et 5 milliards d'humains prennent l'avion cette année, a priori. Oui. Donc il y a une petite schizophrénie quand même sur le transport. Écoutez, juste, je partais au Canada, vous l'avez dit, oui. Donc on m'a appelé de BFM TV, le journaliste, pour me dire, écoutez, vous avez vu, il y a 5 milliards de personnes qui vont circuler, est-ce que vous ne voulez pas venir témoigner? Je dis, je suis bien emmerdé, j'ai dit, parce que je pars au Canada en avion. Il faut que je prenne l'avion. Donc je veux dire, il y a la réalité, effectivement, il y a des choix que l'on peut faire dans ces comportements, c'est ce que je disais, être des consommateurs attentifs, mais il y a une réalité aussi. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai passé une demi-heure passionnante, vraiment. Vous avez été passionnants l'un comme l'autre. Franck Marot, donc président de Toyota France. Jean-Louis Etienne, scientifique explorateur. Merci. Vous pouvez applaudir mes deux intervenants. Et on va passer à ce gala et à la partie dîner. Donc je vous souhaite d'ores et déjà bon appétit. Et je vous rappelle que le but du jeu, si ce n'est pas déjà fait sur chacune de vos tables, c'est de vous présenter, faire un petit tour de table avant de profiter des différents mets qui sont en train de commencer à être servis. Très bonne soirée. Merci en tout cas de votre attention.